gueule les mecs, ces petits bandits. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça va être rapide. Après, il y aura peut-être une vidéo de balade en plus, je sais pas. Stop ! Alors, il n'y aura pas de vidéo de balade, parce qu'en fait, la vidéo que je devais faire, on a eu que des emmerdes, que des cons sur la route. On s'est traîné la bite pendant une heure, vraiment. On a pris toutes les plus petites routes qu'il y avait autour d'Angers, et on s'est fait chier. Il y avait des bagnoles partout. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo de balade, mais bisous ! Je profite là d'être dans le flot de circulation. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous dire merci pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo de entre guillemets présentation du street où je vous ai montré vite fait à quoi il ressemblait. Alors depuis, j'ai déjà fait 2-3 petites modifs dessus. Donc les leviers de frein, je pense que vous allez pouvoir voir. De toute façon, j'avais mis une photo sur Insta, je crois. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, toujours, hein. Je le dis à chaque vidéo, mais les petits leviers de frein orange anodisés. Alors, je dis un grand merci à mon petit Puma et puis à VDB qui m'ont fait gentiment, à VDB m'a fait 15% de remise sur les leviers. Donc, la paire de leviers courts orange anodisés. J'ai eu ça, frais de port compris, 51€ au lieu de 60. Ils m'ont fait un petit 15%, donc ça faisait, ça a fait 9€ de moins. Donc, c'est super sympa de leur part. Donc, merci à VDB. Très gentil. Sinon, j'ai passé l'avant. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir dans la voiture de devant, dans sa plaque. Regardez la plaque de la voiture de devant. J'ai passé le street en full LED à l'avant, veilleuse, croisement plein phare. Et franchement, ça change pas mal. C'est agréable. Donc là, je suis pas en Bretagne, même si c'est la même météo, n'est-ce pas? Je suis en vacances, donc je suis redescendu chez mes parents à Angers. Et là, ça part sur une petite balade avec le motard que vous voyez là-bas, mon pote Anthony. On va aller se faire quelques petites routes sympas en bord de Loire, tout ça. On va bien s'amuser. Donc voilà, c'était une micro, vraiment micro, pour vous dire merci. D'ailleurs, je l'ai mis sur le mur de ma page YouTube. Mais bon, c'est pas un onglet qui est très connu dans l'onglet discussion. J'ai mis, cette vidéo est en 720p 60fps. Je repasse dans ce format là, j'arrête la 1080. Non pas que ça me fasse plaisir, mais mon PC commence vraiment à être vieux. Et il commence à avoir du mal. Alors faire les rendus, pas de soucis, hein. La vidéo que vous avez vue, la dernière vidéo, la première vidéo avec le street, c'était de la 1080, donc pas de soucis. Mais il commence à galérer pour le montage en fait. Il saccade le logiciel, l'ordi saccade. Donc je repasse en 720 en espérant que ça soit mieux. Mais bon, c'est un ordi qui a 7 ans, je crois, un truc comme ça. Donc il commence à être fatigué, c'est normal aussi. Hein, à la base, c'était pas un PC de montage, c'était un PC de gaming. Et de gaming, il y a 6-7 ans. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça repasse en 720. Mais bon, la qualité, normalement, n'est toujours pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Écoutez, moi, je vous fais des bisous. Et puis, encore merci pour les retours sur la première vidéo du street. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'elle vous a plu. Moi, elle me plaît énormément. J'ai déjà fait plus de 1800 bornes avec en même pas un mois. Donc, gros kiff. Et puis bientôt, il y a le... Si, il y a le road trip de la Normandie qui arrive aussi avec Puma. On va aller faire ça. Peut-être Marina. Peut-être Ilan, on sait pas. Puma et moi, c'est sûr. Les autres, on va voir. Donc, dites-moi d'ailleurs, tiens, si vous arrivez jusque-là dans la vidéo, parce que là, on est sur la fin. Si vous arrivez jusque-là, mettez-moi Normandie oui ou Normandie non si vous voulez que je filme. Oui, je filme, non, je ne filme pas. Donc mettez-moi Normandie oui, Normandie non en commentaire. Et je me doute que peu de monde mettra, mais c'est pas grave. Donc les mecs, je vous fais des gros bisous avec les beaux jours qui arrivent, vous voyez. Et ride safe, prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches. Et roulez équipé, les mecs, c'est important. Roulez équipé. Et puis moi, je vous dis, allez, à plus les mecs. Traveling.